Salut les amis, la pêche à patate, la gouache, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. 1er avril, forcément, première farce, hein, la première farce qui tombe. C'est la LCB, c'est très drôle. Franchement, ça comme farce, je ne m'y attendais pas. La LCB, qu'est-ce que c'est que la LCB? Eh bien, c'est la cigarette du buraliste. Alors non. Nos amis buralistes ne se sont pas amusés à faire une cigarette électronique du buraliste. Une cigarette, une clope, une vraie clope, hein, une bonne vieille tueuse des familles. C'est simple. Ils se sont dit, oui, il y en a marre, les pays frontaliers, ils vendent des Camel moins chers, ils vendent des Marlboro moins chers, ils vendent des Philip Morris, j'ai cité trois marques, et pas de propagande. Nous, on aimerait avoir des marques de cigarettes, alors voilà, ils ont fait leur marque de cigarettes, ils sont fait une réunion, ils se sont dit, toi, Gérard, je vais faire une cigarette, ok. Why not, les gars? C'est pas le problème. Ils font ce qu'ils veulent, ces gens-là. Le vrai problème, c'est que ça a été validé. Et ça a été validé par deux ministres dont je vais naturellement citer le nom qui va me revenir tout de suite. Bah, le premier ministre, on a envie de vous dire, on le connaît tous, c'est Marisol Touraine. Cette chère Marisol Touraine. Et le deuxième, c'est le ministre du budget. Donc Marisol Touraine, ministre de la Santé, je vous rappelle. Et puis monsieur Christian Ecker. Christian Ecker, qui est bien sûr, lui, le ministre du budget. Éliminons, ministre du budget, il a besoin de pognon, lui, qu'on meure, il s'en fout, hein, c'est pas son problème. Par contre, petit problème, Marisol Touraine, qui a son cheval de bataille, hein, rappelez-vous, c'est avec ça qu'elle a un peu fait sa campagne ministérielle, la réduction des risques tabagiques, la réduction du tabac, souvenez-vous, le mois sans tabac, c'est Marisol Touraine. Et bien sûr, le paquet neutre, c'est Marisol Touraine. Donc c'est quand même assez fantastique, c'est assez merveilleux que des gens, enfin qu'une personne plus exactement, parce que le ministre du budget est différent, lui c'est juste le pognon qui l'intéresse, hein. Vous pouvez crever, ne vous inquiétez pas, lui ça ne le gêne pas. Mais elle, voilà, elle est normalement pour sauver notre peau, vous voyez, pour nous aider, pour nous empêcher de mourir dans des souffrances atroces, n'est-ce pas? Eh bien non, elle va valider parce que, vous pensez bien, qu'on ne met pas une cigarette sur le marché, comme on met un paquet de 40 bars. Et encore, même pour un paquet de 40 bars, il faut quand même avoir des accréditations. Eh bien, notre cher ministre de la Santé a signé deux petits papiers qui autorisent des buralistes à vendre des clous de cercueil. Eh oui, pas de souci. Alors, je vous rappelle, hein, pour vous donner un ordre d'idée, imaginons, je veux sortir un médicament. Je fais des tests. Sur 1000 personnes, il y en a un qui n'est pas bien bien. Il n'est pas mort, mais il n'est pas bien bien. Eh bien, on va m'interdire de produire ce médicament. Là, c'est magnifique. Les clopes, c'est un consommateur sur deux. C'est pas mal. Hein? Alors, j'ai des petits chiffres comme ça, parce que souvent en politique, on fait des chiffres. J'ai des chiffres aussi cette année. On a battu un record. 78 000 morts. Eh ouais, 78 000 morts cette année, rien qu'en France. Hein? Alors, c'est 5 000 de plus que l'année dernière. Comme quoi, on sent bien hein, tout l'effort que fait le ministère de la Santé. Alors, on va prendre des degrés de mortalité. Vous voyez, on va faire dans le glauque. Hein. Je vous donne le nombre de morts sur la route. Cette année, 3469 personnes de tuées. Hein, 3469 personnes mortes dans des accidents de la route. Je vous rappelle que l'accident de la route, vous allez avoir des campagnes pour la vigilance au volant, vous allez avoir des campagnes un peu violentes, avec des scènes un peu violentes, et ça, vous les avez à la télé, vous les avez à la radio, vous avez une vraie campagne de lutte contre les accidents et tout ça, et ça, vous l'avez tous les jours. Est-ce que vous avez vu dernièrement des vidéos montrant des gens en train de mourir d'un cancer dû au tabac? Ah non, ça, vous ne les verrez pas. Ça enlève trop de pognon à notre État. Alors oui, donc c'est quand même magnifique que cette ministre de la Santé, mais j'ai failli déraper un petit peu, mais non, je ne serai pas vindicatif, ait autorisé la vente d'un produit pareil qui est la clope. Marisol et le prochain ministre de la Santé, parce que Marisol, je suis désolé, mais je pense que tu ne vas pas rester. Si tu étais cohérente avec ton discours, tu interdirais qu'en France, on puisse de nouveau produire des cigarettes. C'est-à-dire que celles existantes
vont rester. Mais par contre, ne plus signer aucun papier autorisant la fabrication de cigarettes. Alors, cigarettes françaises, bien sûr. Alors, le tabac va être français. On ne sait pas encore trop où il va être pris, le tabac. Il va être pris dans le sud-ouest. Mais bon, c'est français, mais c'est un peu européen. Donc, c'est des Polonais hein, qui vont prendre le tabac. Enfin, c'est pas des Polonais, c'est des Allemands qui vont prendre le tabac et l'emmener en Pologne pour faire faire la production. Alors, je vais essayer de vous trouver le nom de la société qui fait ça. Voilà. C'est la filiale française de l'allemand Puechle, hein, qui va donc prendre ça. C'est des Allemands et ils prennent le tabac. Ils l'emmènent en Pologne, ils le font transformer en clope et ça nous revient chez nous pour bien nous assassiner nous parce qu'en plus, on ne va pas assassiner nos voisins, ce n'est que pour le territoire français, vous voyez. Donc on va bien, voilà, hein, histoire que, bah ouais, hein, d'après tout, voilà, ce sera plus simple. Ce qu'il y a de drôle, c'est que la société Puechle, je ne sais pas si c'est de l'allemand, je ne sais pas le prononcer, Marisol, il y a quelques années, a fait interdire une marque qui s'appelait Corset. Voilà, elle a fait interdire une marque de ces gens-là parce que, oh, attention, c'est dangereux, mais la LCB, pas de problème. Voilà, c'était la farce du 1er avril. Moi, je trouve celle-là magnifique, hein. Je vous conseille effectivement d'aller acheter les LCB, puisqu'a priori celle-là, bah, elle ne tue pas, puisque Marisol a signé le papier, c'est génial, je vais arrêter la vape, puis je vais aller acheter des LCB, parce que Marisol a bien signé en bas. Donc, ma chère Marisol Touraine, votre bilan n'est pas très brillant sur, ces quelques années d'activité. Eh bien, on va garder un truc de vous. C'est cette petite signature qui est en bas pour vendre des tueuses. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas, encore plus que d'habitude, nous sommes la résistance. Et comme je dis toujours, petite barre pour le départ.